Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai, et on se retrouve sur Heart of Iron 4 avec la suite du let's play consacré à la France qui est en train de virer monarchiste. Donc on a bouffé la Suisse et le Cheshire au dernier épisode, on a envoyé la Tunisie, mais elle s'est alliée pour une raison, je ne sais pas pourquoi, avec bien évidemment la Confédération des États indépendants. Elle a très pu s'allier que l'Alliance du Levant, faite d'Israël et de. Et la Syrie, mais non, ils ont préféré emmerder, donc l'OTAN est en guerre contre l'Alliance russe. Donc il faudra dégommer les soviets. Et il se trouve que bon bah la Biélorussie et la Russie sont en train de pousser ici en Pologne. Hein. Ça se rend pas bien du tout pour eux. Hein. On va préparer un petit débarquement dans le Caucase, histoire de leur tomber dessus. Hein. Tout le monde prépare ce petit débarquement aussi. Hein. Mais lorsque tout le monde sera prêt, là, la Russie elle va tellement avoir mal. C'est tellement possible pour se dépouiller des bleds. Vous êtes gentils les gars, vous attendez. Hein. J'ai 9 aéroplanes, faut pas que gérer non. Démission là, j'ai plus d'avion, c'est pas grave. Ils seront en Italie quand on enverra l'Italie. Faut que je prépare un claim sur la cité de Saint-Marin histoire que je puisse bouffer deux pays en même temps. Ah, il y a qui commence à débarquer. Hein. Et dans le Russe a mis des troupes un peu partout pour se protéger. Ah. On a coulé quoi? Algorithme de cryptage. Oh bah on débarque, ça y est, ils débarquent. Donc on va faire quoi nous? On est en fin 2001. Cryptage. Les Russes ils font quoi? Russie en premier. Ça sent le. Ça sent. Ah ils ont pris le poutinisme. Et renforcé l'alliance, ok. Bon, bah c'est mort pour la pour l'Union soviétique, hein, dommage. Vous avez rejoint le front par ici. Ah, j'ai même pas prévu l'heure de débarquement, je suis con moi. 38 jours sur les 44 nécessaires. Alors, on va bientôt arriver. Vous galérez les gars, putain, mais. Gardez un port, bande de crétins! Il n'y a pas besoin de débarquer d'ailleurs. Vous voyez, c'est là. Je me suis trompé d'unité donc. Vous, vous restez ici, vous êtes un. Il est à la con ici, on va regarder un truc. Ça va être le fun, voilà. Vu qu'on galère contre les Russes, on va quand même se taper une grande victoire ici, hein. On va se débrouiller pour avoir une victoire là. On a reperdu le port, c'est une blague. Lamentable. Bon, au moins, on les a forcés à diviser leurs troupes. Donc on a d'hommes les connards en face. On a 41 à 93 régiments. Ouf, ça pique. Il manque du pétrole. Et du chrome. C'est compliqué, hein. Là, c'est une merde là qui sont contre nous. Je me demande si ça a pété en Chine ou ailleurs, d'ailleurs. Il faut un débarquement sur Vladivostok. Oh la vache.
Allez, peux-tu vous débarquer ici, histoire de prendre des points, histoire qu'on puisse sécuriser 2-3 bleds. Je suis sûr que la Turquie exigera l'armée au traité de paix. Bon, moi, je vais pas emmerder, hein. Ce que je vais faire, c'est que... dans le traité de paix, moi, je vais bouffer évidemment la Tunisie, qui était l'objectif de guerre. Je vais me dire également pour grignoter ben, des morceaux de Russie, là où on trouve des ressources. Tous les morceaux de l'acier, du caoutchouc, n'importe quoi. Même si le territoire est divisé et fragmenté, que c'est moche et que ça sert à rien, je me gave. Histoire au moins d'avoir des ressources qui vont appliquer. Ça veut dire ça, c'est à moi. On va faire plein de trucs. Ouf la vache. C'est n'importe quoi. 2 contre 59. Ah, mes effectifs sont bas. Bon. Il s'agira de... Bah, en même temps, on est aux volontaires seulement. Hein. Société de restauration, bien. Ça va faire monter les monarchistes en leur faveur. Combattre le fascisme ou le capitalisme. Restriction de l'immigration. Je vais au moins essayer de terminer cette guerre de merde là avant de ça parte en vrille. Il faut vraiment que vous repoussiez les gars. C'est même pas été foutu de tenir la ligne de front. Je trouve pas le bombe nucléaire, c'est génial. Mes troupes ont débarqué, bonne nouvelle. On va essayer de prendre le sud de la Russie, là, sans parler des territoires, histoire de dire c'est bon les gars, on a un port, venez tous. Le but c'est qu'il y ait un maximum de pays qui puissent débarquer, qui se disent voilà c'est bon, on a pris des territoires. On prend Krasnodar et compagnie. Il nous donne 8 forces. Ouais, j'accepte. On va essayer de prendre Rostov, tiens, pour les emmerder. Si vous pouvez contourner comme ceci, ce serait beau. Est-ce que les potes voudraient pas débarquer un petit coup là, les gars, vous dire hop, c'est bon là. Je veux dire, j'ai fait une tête de pont, les gars, magistrale. Il n'y a aucun d'entre vous qui vient débarquer. Bande de branleurs. Bon, au niveau de résistance à Tunisie. La plus gentille possible. Voilà. On est des modérés, voilà tout. Jacques Chirac est un homme modéré. Vous, je vous encercle.
Toi, tu veux aller par ici. Et toi, c'est personne à Rostov. Bah, on va aller à Rostov, voilà. Toi, tu veux massacrer l'unité là, parce que si elle est toute seule isolée, bah, autant la défoncer. Hé. Hey. Et voilà, les British viennent d'arriver là, qui débarquent, ils se disent c'est bon. Il y a tout le monde qui pousse dans le Caucase. Allez, après, on va débarquer sur la tronche. Le Turc, il veut, il réplique. Ah ouais, vous avez peut-être fait avancer le front ici en Pologne. Ça fait quoi la Russie de se faire défoncer comme ça là? Enfin bon. Il faut qu'elle ait moins de 17% de ses points. Ça va être très très chaud. Donc vu qu'on a commencé à prendre Rostov, alors du coup, ben, on peut se dire que ça va, ça peut passer. Allez, rushez-moi Volgograd. On va prendre l'aéroport ici près de Rostov, voilà simplement. Quand même, il faudrait quand même que mes alliés se bougent le cul de ramener leurs troupes massivement. Je leur fais ce petit cadeau, qu'ils en profitent un petit peu. Retard les gars, je suis à Volgograd. Oh non, ils vont me couper la route, merde, je suis con, c'est dommage. Ah, la route va être coupée, dommage. Je les ai entendu un coup. Tentons de percer les routes. Seulement qu'on essaie de se replier. Il faut qu'on se replie. On essaie de remonter les routes comme ça. Pour les emmerder. Mais vous pouvez pas vous défendre, les gars. Non, non. L'euro! Allez, qui c'est l'euro? L'Europe gros devient plus puissante. Oh putain. Moi ça quand même des points politiques ou alors. Factory output. Non, on refuse. On va refuser l'euro. Nous sommes la France, monsieur. C'est pas n'importe quoi. Ouais, division là, ça va détruire, hein, ça c'est évident. On se replie, c'est tout. Est-ce que les autres pourraient pousser par ici là? Je veux dire, on a quand même fait un sacré coup de. On les a quand même sacrément forcés à. Se replier, non? J'ai plus de 40 000 hommes. Oh, ça craint. Japon adopte l'article 9. Japon re. Oh. Le Japon se remilitarise. Oh, ils abandonnent leur article 9, ils ont adapté leur constitution. À de nouvelles réalités du terrain, d'accord. On a pris Krasnodar. Est-ce qu'on va pouvoir choper ces connards à revers?
Non. On va essayer de reprendre l'assaut vers Volgograd. Avec une division qui va partir en... Vous êtes... Voilà, on va annuler l'ordre qui est donné, je sais pas quoi. Essayez un peu de suivre les ordres que je vous donne, les gars. Et là, les autres, vous pouvez pas pousser, vous mettre ici. Défense mobile. Nouvelle technologie. Hop. Artillerie de ligne, artillerie de ligne. Jouer sur le support dispersé de l'artillerie, c'est mon préféré. On va essayer de prendre ces troupes russes à revers, ils sont à être tranquilles un bon moment. Il n'y a plus de division russe, ils se font massacrer. C'est quand même chaud que quand même, les premières guerres ça se passe contre les Russes. Je voulais tellement éviter que ça arrive, mais bon. Le destin a décidé autrement. Ça passe ou pas ici? Il faudrait quand même que les autres ramènent, les Américains ramènent des troupes quand même, ce serait agréable. Ils nous renforcent ce pointe. Ramenons ces troupes-là ici, qu'on puisse envoyer les corps expéditionnaires là-bas. Algorithme décrypté, c'est parfait. Chirac, tu vas être vite dégagé, je suis sûr. Ah, ça pour construire des équipements lourds, enfin des tanks et des compagnies, ce sera bien ça. L'Ukraine n'est pas décidé d'attaquer la Russie, je sais pas. Ah là, ça on reprend du poil à la bête. On va seulement essayer de prendre Moscou. Hein. Venez ici, on va ramener nos troupes par là. Ils sont forcés à cligner aisément ces cons-là. Volgograd. Je dois prendre Volgograd. C'est risqué. Non, je vais faire massacrer ma division si j'y vais là. On va faire massacrer de toute façon la division. C'est qui le taré qui a fait ce plan là?
Tentez de fuir. Putain, Overrun, t'as fait massacrer. Bon, cette guerre-là se passe pas bien du tout. Enfin, 239 000 quand même qu'ils ont perdu les Russes. Hein. Ne sont petits jours pour les roquettes. Ça, c'est pour augmenter les capacités d'invasion maritime. Les fins des JO, la fin des JO de Salt Lake City, c'est parfait. Est-ce que les États-Unis comme l'Allemagne pourraient décider de faire des plans d'invasion pour débarquer en Russie? Immigration restreinte, c'est parfait. Propagande nationale, voilà. Les monarchistes, ça monte. Oh, la stabilité augmente. Parfait. On va prendre un gars qui est spécialiste dans... Cédric Roux, Romain Le Pen. Faut spécialiser l'infanterie un petit peu. Pour une fois, non, faut que je prenne ça. Faut que je prenne les volontaires, je suis bête. Mais c'est le bordel, j'ai mis l'OTAN contre les Russes. Des pays qui se branlent un peu les couilles. Hein. Les États-Unis, ils ont pas eu 113 000 hommes. Sont tôt ou tard on va voir on va progresser hein. Allez. Alors, une crise parlementaire. À la base, c'est parce qu'on a fait, on a découvert un petit problème dans le texte de loi qui affecte notre budget d'une manière assez insignifiante. Mais bon, c'est une tirade d'insultes depuis. Voilà, un petit détail qui est viré en énorme truc là. La Cour suprême va intervenir. Il n'y a pas de Cour suprême chez moi. Mettre en place un communiqué de communication, voilà. On va pas quelques points de puissance politique et c'est pas trop grave. Bon, l'Espagne veut quoi? J'accepte. Tu as mis où tes divisions, mon con? Ben, c'est quoi toutes tes divisions? Elles vont aller à Marseille. On passe sur le front russe. L'état des Espagnols, les pauvres là, j'ai plein. Ils disent, ouais, on parle de Marseille, on va où sur le front russe? Oh putain. J'ai l'impression de voir les divisions de volontaires espagnols. Et ils ont fait quoi les Américains? Ils ont annulé. Annulé le Land-Lease, ok. C'est ce que vous voulez, les gars, je m'en fous. Hein. Les points politiques, là, on en gagne combien? 0,08 par mois. Crise parlementaire, allez vous faire foutre les parlementaires. Ah vivement qu'on puisse débarrasser du parlement, hein. C'était vraiment une vraie connerie ce truc. Le parlement c'est de la merde. C'est une vraie connerie des fois. Hein. Et la Crimée, hein. Il n'y a pas de claim dessus sur la Crimée? Étrange. J'avais qui débarque tous ces cons là.
Ah, c'est le bordel, c'est n'importe quoi. Pas eu d'invasion ici, bien sûr que non, ça aurait pas été drôle. République démocratique du Congo. Pas de claim étranger de l'un ou l'autre, d'un pays ou un autre, non. Ah, et ça, quels sont les lords? Sous du sud, ouais. Faut tout à la gueule. D'où qu'on s'est repoussé? C'est quoi ce bordel? On s'est repoussé là? Non. Mais si, on s'est repoussé? Il semble qu'on soit pas capable de tenir une frontière. Et là, vous pouvez pas pousser alors? Ils avancent ici, là. On peut pas négocier une paix avec un pays ou un autre, non? Bon, en tout cas, qu'ils disent ici, vous allez gentiment partir pour la Russie. Et vous, j'aimerais bien vous débarquer, vous fassiez quelque chose. Ah, il débarque là-haut. Putain, pourquoi débarquer là-haut? Et pourquoi 15 000 endroits différents? Vous pouvez pas concentrer 3-4 assauts ici sur Saint-Pétersbourg, ses alentours? Ah, il n'y a plus la crise parlementaire. Bonne nouvelle. Putain, on a tout perdu là. Couvrez-nous, il faut fuir. J'avais une belle avancée ici, ça va être chiant ça. Ah, cette série d'être chiante, juste à cause de la Tunisie. L'OTAN a déclaré la guerre aux Russes. Magnifique. Je comprends pas comment est-ce que les Russes peuvent faire pour être aussi vindicatifs là. Non, vous retournez débarquer ici. Faites pas suer. Les Russes ont remis beaucoup d'armées. C'est évident que à 10 contre 1, on perd. Hein. On a une division quand même. 10, 24, on va dire, 24 divisions. Et au moins 84 divisions au total. Hein. Je veux dire 84, on va dire j'arrondis à peu près. Faut juste qu'on tienne. Bon, transport de la guerre froide, c'est fait. Anti-tank amélioré. On va chercher ça. Ça peut améliorer l'efficacité de nos blindés. Après, on n'a pas eu Krasnodar. Oh la loose. Agissez par vous-même un petit peu, les gars. Hein. Ramenez vos troupes.
Vous avez rien percé, bande de feignasses. 30 jours. Oh, ça m'agace. Ah bah oui, on va tenter parce que si on attend l'IA... Si on laisse l'IA faire, elle fait de la merde l'IA. Si on prend quand même leur ville ici là, ça va être beau. Forçons un petit peu à bouger. En fait, c'est que si je fais ça, je vais les forcer un petit peu à avancer. Propagande nationale, c'est parfait. Moi, je joue là-dessus. Eh, eux, ils progressent sans être interrompus, hein. Dès que les autres sont... Ah si, ils m'ont rattrapé. C'est quoi, c'est du c'est du motorisé ça? Faut progresser les gars, hein. D'urgence. Si on a abandonné Krasnodar, on progresse d'urgence, hein, du mieux qu'on peut. Faut pas qu'on se laisse couper en deux, hein. On va essayer de prendre par là-bas. Ouais, le but c'est de piquer les villes une par une. Et d'essayer d'encercler la petite poche ici. Ouais, faut qu'on se tire de là, faut qu'on se tire de là, sinon on va se faire massacrer. Foutez quand jusqu'à Rostov. Ils m'ont chopé avant, merde, ils vont faire fumer. Vous êtes quand même été capable de perdre ce bled là. On a encore le port ou pas? On a encore le port, bonne nouvelle. Surtout que si on perd le port, on est baisé, c'est tout. Là, on va essayer de prendre la ville de merde ici, là, qui a pas grand importance, en Tchétchénie. Ça va être Grozny. Allez, gars, foncez sur Grozny. Usine civile en plus, ben voilà. On s'est quand même fait bien fond, on s'est quand même fait bien ouvrir en deux là comme des larves. Hein. Oh la vache, c'est moche. On a pris Grozny, youhou!
On fonce vers Astrakhan. Ça rien, bon, ça va être une division qui va forcer l'ennemi à courir. Et s'ils sont obligés de courir sur la moitié du territoire russe, grand mieux à leur face. Overrun, putain, il va faire foutre. Restez en Tchétchénie. En 305 000 morts. Ouf. Ils ont combien d'hommes, ces comptes russes d'ailleurs? Là, je peux voir qu'on puisse voir leur manpower restant. Je peux pas avoir un petit coup d'état là. Enfin, un petit coup, d'accord. Je pense que c'est le mieux, hein. C'est qui est ici? Ce sont les communistes. Surtout un coup d'état communiste à Saint-Pétersbourg. Ça va être un, comment dire, un petit bis historique. On s'est fait déboîter ici. Est-ce qu'on pourrait rester ici et tenir? Là, on progresse un petit peu et pas grand-chose, hein. On n'a rien repris. C'est puissant, hein. Là, c'est un bide. Les Russes avancent. C'est bien, hein, c'est joli. Ouais, vous foutez quelque chose là, faut vous avancer, vous les gars. Vous pouvez pas dire que on veut se battre et puis on fait rien. Hein. Il faut avancer, les gars, il faut avancer. Tente un pari audacieux. Rolf vers Stalingrad. Volgograd, on s'en fout du nom qu'on lui donne. Pourquoi j'y vais? Parce que comme ça va les emmerder, ça va les obliger à se rebouger, à se dire oh merde, merde, faut absolument qu'on les défende ça. Pareil ici pour Malkop. Allez, prenons donc Volgograd. Regardez, on gagne un peu de la bête par ici. Faut vraiment que tout le monde envoie ses troupes là. Regardez toutes ces troupes là. Mettez-les dans un port et foncez vers moi. Je vous attends. Ou le faire, je sais pas combien de milliers de débarquements là. Aidez-moi. Oh, la Coupe du Monde de FIFA est terminée, c'était en Corée du Sud. Va abandonner l'Union Européenne et abandonner l'OTAN. Hein. Élection. Oh! Les monarchistes prennent le pouvoir. Waouh! Et le drapeau de la France, c'est Louis XX.
Interview de Jean-Louis Vin. Assez fun. Sauf que je pense que ce drapeau-là risque de vite changer si les Bonaparte reprennent le pouvoir. Vous, faut arrêter vos conneries là, il faut absolument que vous me teniez la le port. Rochement Volgograd, on va en profiter. Et Rostov. Ça va prendre Rostov. On va emmerder les Russes. Équipement moderne, parfait. Donc la République est devenue une monarchie, hein, mais tranquille au calme. Et c'est sur ça qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Donc j'espère que l'épisode du jour vous aura plu. N'hésitez pas à faire part de vos remarques, de vos commentaires. Moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!